Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que cet orchestre? C'est difficile à dire. Chacun du dedans en a une bien différente idée. Les pieds bien dans la terre, construire, travailler dur, et aussi la tête dans les étoiles, toujours aller plus loin, toujours créer, toujours plus, toujours imaginer d'autres choses. Chambouler l'autre, lui chercher le sourire, lui provoquer le dépassement, là, dans le concert, en direct. Si tu laisses une place maximale à la liberté et à la confiance commune, bah, il peut se passer des choses surprenantes et troublantes. Collectivement, on a une force surhumaine qui est complètement dingue. Et c'est ça que j'aime. Quand on est ensemble sur les rails, on ressemble à cette énorme locomotive qui défonce tout. On a rarement l'occasion dans d'autres formations, dans d'autres groupes, de rencontrer le public comme on le fait avec Surnatural Orchestra. On a besoin, pour moi, d'essayer, d'expérimenter, de toujours se réinventer, d'être toujours en chemin, d'essayer de ne pas se complaire dans ce qu'on a partagé avec un public. Ce lien sensible qu'on a avec le public, qui justifie toute l'énergie qu'on peut y mettre. Plan retraite, prise 1. Un mot pour Surnat, c'est un verbe. Un verbe conjugué. Incroyable. Laboratoire. Sportif. Autonome. Une famille, ouais, une fratrie. Qui rit ensemble, qui s'engueule ensemble. Mais, en fait, c'est un vrai groupe, quoi. C'est le triangle de Penrose. Humain. On aimerait projeter dans notre société, on le projette dans la musique et dans l'organisation. On s'attelle à la tâche de la prise de décision et du collectif et de l'horizontalité. Surnat se pose un peu les questions des conditions matérielles de la musique, ce qu'elle fait dans la cité, pourquoi elle est là, et quelles sont les barrières à casser, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut un chef dans l'orchestre. Ça marche pas la baguette, plutôt désir. Ce que je trouve intéressant dans notre démarche politique, c'est le fait d'essayer de ne pas être en lien de domination. Par exemple, entre le sachant et le non-sachant, ou le compositeur et l'interprète, ou le musicien et l'auditeur, ou encore l'homme et la femme. Ce groupe qui doit rester un rêve pour être plaisant pour nous, mais pour les autres.